Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle partie sur Fallout 4 pour parler tout d'abord de la décharge de masse fusion. Ça se trouve à cet endroit, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est sur le chemin de la mer luminescente, alors on peut situer par rapport au cratère d'atomes. Sinon, par rapport à Sanctuary Hills, bon, ça fait un petit bout de chemin, comme d'hab, mais on aime bien faire du chemin. Et on parlera d'un deuxième lieu non marqué sur la carte. C'est une petite cabane à moitié arrachée, avec un écorcheur à l'intérieur qui fait dodo. Et selon la partie, il peut arriver que l'écorcheur soit légendaire. Alors on va aller voir si sur cette partie-là, il est légendaire ou non. Mais de toute façon, même s'il ne l'est pas, il y a une malle avec des munitions à récupérer, ainsi qu'une arme. Voilà, alors c'est parti. Déjà, on va aller tuer les quelques super mutants qui sont à la décharge de masse fusion. Alors, je vais pas m'embêter parce que sinon, on va perdre beaucoup de temps avec les super mutants. On va sortir le Fat Man. Et hop. Voilà, bon, déjà, il y en a 3 en moins. Une fois que c'est fait, on peut changer d'arme. Alors, il y en a encore un qui est caché derrière. Fusil de Gauss, toujours aussi pratique. Ah, j'ai pas assez de PA. On va essayer de lui mettre un coup critique dans la tête, voilà. Comme ça déjà, on est débarrassé. Une fois que c'est fait, et qu'on est enfin tranquille. Non, je crois que je me fais tirer dessus, mais... Non, c'est bon. Alors, une fois qu'on est tranquille, bon, vous pourrez récupérer déjà ce qui se trouve sur les cadavres. Et ensuite, on a des steam packs. Des ressources à récupérer, briquet à essence, scotch, marteau à panne ronde, ça je vais pas le prendre, j'en ai pas besoin. Des cartouches de 308, des calibres 50, des cellules à fusion, du carburant pour lance-flammes. On a diverses munitions et ressources à récupérer, donc c'est assez intéressant de passer par ici. Ici on a encore un sac de voyage avec des cartouches, des grenades. Ah si je me fais tirer dessus, voilà, oula, d'accord. Ah ils ont le seum là. Là ils ont les boules contre moi là. Ensuite, on a une autre malle ici. Voilà. 6 missiles. Ça c'est bien. Ça peut prêter main forte, surtout contre des gens comme ça. Alors, 6 missiles, cartouches de 5 mm, clou de rail, casserole, ouais, bof. Et ensuite, vous avez encore une boîte à munitions en haut avec des cartouches gamma et des cartouches de 38. Bon, hey, les gars, si vous me cherchez, vous allez me trouver. Quoi? D'accord. Alors, on a une petite attaque surprise de la part de la confrérie de l'acier. Alors, on va faire rapide avec eux, hein. Je m'attendais pas à ça, parce que j'ai vu les deux vertiptères, mais je pensais pas qu'il y avait une équipe au sol. Voilà. Bon, déjà ça c'est fait. En profiter pour en dépouiller quelques-uns. Hop 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 hop, on va se calmer les gars là. Ah ouais, si vous me faites chier, mort pour vous. Alors, on va reprendre notre route. En direction, ce coup-ci, de la cabane abandonnée, pour voir si notre fameux écorcheur est légendaire ou non. Alors s'il n'est pas légendaire, comme je vous ai dit, c'est pas grave, hein. Ça vous empêche pas d'aller faire un petit tour parce que y a quand même des munitions et une arme à récupérer, donc c'est toujours ça de pris. Alors le Fat Man, il m'alourdit un petit peu, hein. Alors on va faire plus vite comme ça. J'ai l'impression qu'ils me suivent, non? Ah oui, c'est ça, ils me suivent.
Non, plus maintenant. Ils ont dû détecter quelqu'un d'autre. Alors sur le marqueur de mon radar, si on peut appeler ça comme ça, ma boussole, on voit bien que la position est vers le sud-est. De toute façon, on la voit d'ici, la cabane, là. On arrive au point de rencontre. Par contre, je vois qu'il y a une deuxième cabane un peu plus loin. On ira voir aussi au passage. Quelquefois qu'il y aurait encore quelque chose. Alors, déjà, on a notre premier écorcheur ici qui n'est malheureusement pas légendaire. Mais au moins, j'ai tenté la tête, mais elle n'est pas passée. Au moins, alors, ça nous fera des munitions en plus. Bon, je crois que là pour tirer au Fat Man, c'est mort. Alors, on va choper. Une grenade nuka, non, ça va pas sauter assez vite. Ah, laser gatling, ça peut être intéressant. Avec un bon psycho, si j'en ai un. C'est pas sûr sur cette partie. Si j'en ai deux. Hop. Ouais, d'accord. Allez! C'est parti. Le temps que le laser il se mette à tourner, le machin il m'a déjà chopé. Est-ce que t'es? Comme par hasard, je me mets à tirer, t'es plus sur moi, quoi. En plus, on a un vertiptère qui vient nous faire chier encore. Et puis, il y a des ghouls. Ah, d'accord, c'est la totale, quoi. Bon. Alors là, je crois qu'on va avoir besoin de plus puissant. Pour ce faire, on va quand même essayer de choper le Fat Man. On va prendre un jet pour voir si j'ai moyen de m'éloigner un petit peu de tout ce bordel. Là, je viens de me foutre un bon coup avec le Fat Man. Mais bon, tant pis. On va prendre un Steam Pack parce que là, du coup, j'ai pris cher. Ah là, il a mal là. Là, je vois qu'il commence à souffrir, l'écorcheur. Le problème, c'est qu'il y a trop de monde dans la zone. Voilà. Déjà, à 100 en moins. Donc, malheureusement, comme je vous l'ai dit, l'écorcheur n'est pas légendaire. Alors, on va se contenter de récupérer les diverses munitions et ressources. Cartouche 45, Medix. On a une arme, une carabine de combat. Un plastron d'armure de combat et un extincteur. On n'a rien dans l'armoire, malheureusement. Rien non plus ici. Alors, j'ai vu la deuxième maison. On va aller jeter un œil quand même. Parc des pionniers de la robotique. Et bah, vous en profiterez pour aller jeter un œil. Alors, ça c'est quoi ça? Bah, rien de récupérable en tout cas. On a la possibilité peut-être de libérer un protectron. Oui, exact. 2, 3, 4. D'accord, il y a toute la panoplie des protectrons. Là, ici, on n'a rien, malheureusement. 4 paquets de cigarettes. Alors, fumez tu, hein. Faut pas fumer, les enfants. Alors, est-ce qu'on a quelque chose qui se cacherait là-bas au milieu? Ah, des champignons luminescents. Bon, c'est pas génial, mais bon, c'est toujours ça de prix. D'accord. Bon. Alors, j'en profite pour faire un léger tour hein, du propriétaire. Je précise un léger tour. Hop, hop, hop. Alors, en voilà une de moins. J'en ai vu une autre. Voilà, bah celle-là, elle arrive sur moi. Eh bien. Tu connais le jeu des chaises musicales? Alors. Prendre un fusil de gosse. Voilà. Bon. Là-bas, c'est nos deux maisons. Après, ouais. Il y a quelques ressources à récupérer, mais. Je suis horrible, hein, je sais. Melon. Ça, c'est bien. Ça fait une ressource en plus. Puis après, il n'y a pas grand chose
de fou à trouver ici. Donc, j'ai vu qu'il y a également des chevaliers qui essayent de me tirer dessus. Bon, alors on va reprendre le Fat Man. Et puis après, on va s'arrêter là. Puisque il n'y a rien de plus de spécial à trouver. Bon, ça fait une petite vidéo sympa pour trouver des munitions, des ressources. Toujours ça de prix, hein. Il y en a des fois. C'était même moi, des fois, c'est tellement la galère pour trouver des munitions. Là, ça va. Vous allez me dire, ouais, bah ça va, tu te fais pas chier avec 400 munitions de Fat Man. Ouais, mais bon. En attendant, j'essaye d'être sobre sur toutes les autres armes. Non, sérieusement, cellule à fusion, cartouche 5 mm. Bon. Ah, attendez. Juste un dernier petit truc, je viens de voir le container là qui brille bien en... sur l'image. Ça donne envie d'aller voir. Ça nous fait une petite vidéo pour les ressources, quoi. Col miracle, fusible. Alors, ah, je suis bloqué, non, c'est bon. Il n'y avait rien de si intéressant que ça, mais bon. Bon, bah écoutez, bah, on va s'arrêter là alors. Bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter une nouvelle fois un bon amusement sur Fallout 4. J'espère que ça vous aura plu de savoir comment raviver votre inventaire avec ces quelques munitions. Alors, je vous dis à très bientôt sur Fallout 4. I'm not playing, I'm saying I'm off the chain. You better follow instructions, I say.